Bon, on se rappelle. On les crame et on n'en parle plus. Hein. Un extra feu, plus. Et on n'en parle plus. Hop, escape. Hop, c'est pareil, petit sort, extra feu plus dans ta tête, et on n'en parle plus. Voilà. Et en plus, on level up. Ça, c'est beau. Moi, j'aime bien quand on level up. C'est par où? Ah, il faut qu'on repasse dans l'eau et tout parce que parce qu'on a sauté. Faut qu'on refasse tout le chemin. Mais c'était pour une arme pour raid, donc ça valait le coup. Excusez-moi, j'ai raté l'échelle. Cloud, fais un effort. Je te plie. Merci. Merci, merci, merci. Pam, pam. Encore les grenouilles, c'est bon. Je suis obligé de passer par là où il y a les grenouilles. Passer par là. Ok. On a ça activé là parce qu'on ne l'avait pas activé. En fait, on aurait dû activer ça avant d'aller... Échec du processus d'identification. Mais non, mais j'ai pas... Oui, je sais. J'ai pas mis le... J'ai débloqué le câble, mais je l'ai pas branché. Excusez-moi. D'abord, je le branche. Voilà. Faites gaffe, c'est un peu tendu ce câble. Évitez de vous prendre les pieds dedans parce que c'est un peu très tendu ça. Ok. On évacue l'eau. C'est good? Ça va, Barrette, tranquille? Ouais, bon, les grenouilles, ça. Non, mais je rigole pas, hein. Je crois que Kaysix, il a vraiment un truc qu'il transforme en grenouille, c'est pas possible! Eh, plouf! Voilà, du coup, le niveau de l'eau ici, il a monté. Et donc, on peut traverser. Afin de rejoindre nos serpillères volantes préférées. Yeah! Ok. Au fait, Barrett, pourquoi tu donnes cette arme au juste? Ah bon? Mais contre qui vous comptez vous battre? Qui est votre ennemi? Sephiroth. Et il faut qu'on arrête les réacteurs aussi. Je peux comprendre pour les réacteurs, mais Sephiroth, il est mort il y a 5 ans. Et pourtant, il est là. Tu verras quand tu seras amené à la fontaine. Je dois avouer que c'est assez difficile à croire. Pourtant, il est toujours en vie. Ok, on va pouvoir se poser une minute, se remettre full vie, full PM, full tout. Voilà. Et non, mais arrête de mettre pause. Pourquoi ce truc, ça transforme en... Mais c'est quoi ce machin de nul? Je me disais bien qu'il y avait un problème avec lui. Augmente l'esprit. Mort subite, immunise contre l'état de pétrification. Augmente la magie. Allez. Tu vas mettre ça plutôt que ton truc qui te transforme en grenouille parce que. Parce qu'on va pas y aller. On va pas. Ça va pas bien se passer. Si t'es tout le temps transformé en grenouille, on va avoir des problèmes. Hein. Ça va vraiment pas bien se passer. Hein.
1005, ça fait encore un truc en promotion et qui m'intéresse. Vas-y, on le prend. Et on va l'équiper à Kaysit. Parce que bon, il est équipé n'importe comment, lui. Donc bon. On va essayer de l'équiper un petit peu mieux et pas avec des trucs qui le transforment en grenouille. J'ai pas retenu le nom du machin qu'on a acheté. C'est à lui. Voilà, en plus on peut te mettre des matériaux supplémentaires. Ouais, un petit feu, c'est pas de refus. On a quoi d'autre? Annihilation. Résistance mort subite et disciple barrière. Vas-y, on va te mettre ça. Ça sera, je pense, pas mal du tout. Ok, on est tout bon, on peut avancer. On récupère quelques petites super potions sur la route. Et je pense qu'on devrait bientôt arriver à destination, non? Ah ouais, je pense qu'on est, on est arrivé, oui. Eh bien, c'est encore pire que ce que je croyais. Regardez ça. Regardez. Ce réacteur est mort, mais la Mako a continué de s'accumuler dans le réservoir. Je le savais, elle a augmenté. Ça prouve bien qu'on a eu raison de faire péter les réacteurs. J'irai peut-être pas jusque-là. Finissons-en vite. Il y a trop de Mako à mon goût. Quoi ? Ici ? Merde, la Shinra. C'est toi qui les as appelés, c'est ça ? Quoi ? Mais pas du tout ! C'est pas moi ! On dirait que l'odeur de la Mako a attiré quelques moucherons ici. Scarlett! Avant de faire la chasse au trésor, un peu de ménage s'impose. Tu peux? C'est parti, on va chasser la Shinra d'ici. Déjà. Compétences. On va analyser ce machin-là. C'est quoi ces choses? C'est une mauvaise idée. Il y a un concept débile, pourquoi? Hein? Faiblesse au feu. Faiblesse au feu, on va les cramer ces trucs-là. Extra feu. Voilà. Toujours plus extra feu. Voilà, ça devrait le tuer. Ou presque. Ça l'a même pas tué. Tristesse. Allons-y quoi, tout là-haut, vraiment. Eh ben let's go. Grande plateforme, pas d'ennemis, ça me paraît... Ouais. Peu probable. Mais il y en a combien des machins comme ça? Je vais pas avoir assez d'extra feu pour tous les tuer, moi. Sinon, on a... On a ça, normalement, qui utilise du feu. Non, c'est de la foule. Ah, c'est plutôt efficace quand même, mais... Aïe. On peut leur faire. Ça utilise un peu la feu et la foudre, j'ai l'impression. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt efficace et ça économise la mana parce que je peux en avoir comme pour 30 000. Voilà quoi, au bout d'un moment. Voilà. Ah non, mais il est pas mort. Excusez-moi, j'ai cru qu'il était mort. J'ai totalement cru qu'il était mort. Pourquoi tu fais un plat comme ça, voyou? Faut pas tomber, hein. Faut tenir sur tes jambes, hein. Cette fois, il est mort.
J'ai rien dit, cette fois il est toujours pas mort. En réalité, ce truc ne peut pas mourir, je crois. Petite super potion sur moi-même si tu veux bien. Ce truc est immortel en fait. Ce que tu vas te décider. Voilà, à mon au bout d'un moment. Non, moi je veux pas l'adorer. En plus, il est extrêmement moche. On peut toujours qu'il y ait des bestioles comme ça. Si tu permets, on va commencer par t'analyser si tu veux bien. On sait jamais. Alors, il a une faiblesse à la glace. Et immunisé contre le feu, l'électricité, ok. Tomako lui permet de gagner en puissance et de lancer une attaque dévastatrice après quelques temps. Il lui inflige un certain nombre de dégâts pendant l'interrompra et le fragilisera. Ouch! C'est mal paré. Eh ben esquive et puis ça se passera mieux. Ouais, ouais, ouais. Ok. J'ai quelque peu besoin d'un petit extra soin. Aïe, pourquoi tu fais de la faute dans ton dos? Esquive, Cloud, esquive. Esquive, vraiment, je rigole pas. Esquive. J'ai dit qu'il était sensible à quoi? À la glace. Ah, peut-être pas si sensible que ça non plus, hein. Oh, viens pas me taper, moi. Je t'ai rien fait. Mais reviens. Pourquoi tu fuis comme ça quand je te tape, quand je veux te taper? Ah, yo. Non. Cloud, si tu pouvais éviter de décéder, ça serait bien. Ah. Arriver à le taper pour monter les barres d'ATM sans se faire massacrer, c'est compliqué. Ok. Méga potion sur Red. Augmente ensemble la capacité de conservation, ajoute temporairement une barre de transcendance. Augmente le niveau de transcendance. Cloud, bouge! Évidemment que j'ai plus de. Évidemment que je n'ai plus rien! Pas me laisser tranquille 5 minutes. Ok, Cloud, il faut que tu t'éloignes. Méga potion sur Kay. Bah vas-y, fais des tourbillons sur toi-même, histoire qu'on puisse absolument pas esquiver. Sérieusement? C'était esquivable, ça? Aucun problème. Aucun problème, je dirais pas ça, moi, aucun problème. Hein.
Ah bah pas pour longtemps à ce rythme-là. Ça n'arrivera plus, c'est mal barré. Ah voilà, transcendance. Excusez-moi, je coupe un petit peu la transcendance, mais je recoupe la transcendance, oui, certes, excusez-moi, mais il y a un moment où cela est quelque peu nécessaire. Ah. Rassurez-moi, c'est bien fait la transcendance. Hein. Pam, pam, palapapapam. Je suis très concentrée, je suis désolée. Bah là, c'est un petit peu la concentration. Mais vas-y, va te mettre en plus dans un coin, histoire d'être sûr de me toucher, quoi. Parce que sinon, c'est pas drôle. Il suffit de trouver la faille. Merci, Cloud. Qu'est-ce que je ferais sans tes conseils? Absolument incroyable. Vraiment. On va y aller à la méga potion. Hein. La méga potion, elle va y aller pour partir. Hein. Ma vie aussi est part. Ah là on l'a eu. Ouais, et en plus on a esquivé. Ah ça c'est beau. Non vraiment t'es très chiant à sauter comme ça partout. Tu t'es pris pour un kangourou ou je sais pas quoi, mais t'es chiant. Il y a un moment faut que t'apprennes à rester à ta place. Faut l'empêcher d'attaquer. Oui, bah écoute. Quoi, tu veux pas faire ta transcendance, toi? T'es à moitié mort? Bah oui, mais tout le monde est à moitié mort. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait, lui, encore? Il veut pas faire sa transcendance, lui. Ok. Bah, tu vas te soigner? Alors, je ne sais pas comment Cloud a survécu à ça, mais il a survécu. C'est moi ou vous venez d'utiliser ça dans le vent? Est-ce que c'est moi ou ça a été totalement utilisé dans le vent? Et maintenant, est-ce que tu veux bien faire ta transcendance, toi? Oui, merci! En espérant que tu ne me la fasses pas dans le vent, ok. C'est intéressant ta transcendance. Vraiment. Écoute, j'apprécie. Tu vas te prendre un petit peu un glace dans ta tête. Alors, je viens de me prendre un bel éclair dans la tête, mais je l'ai mis en état de choc. Et ce, pendant une transcendance. Excusez-moi, mais enchaînement glacé. Et Kay. Compétence. Voilà. C'est un peu le moment de le taper, vous voyez. Alors, tapez-le. Ah non, Cloud, c'est pas le moment. Qu'est-ce que tu nous fais? À la P2. Sauf qu'on m'a pas rendu mes PM, hein.
J'étais en train d'esquiver. Méga potion sur toi-même, arrête. Écoutez, les amis, moi je veux bien, mais je veux pas et me concentrer sur ce que les autres doivent faire et en plus faire attention que je prends pas une boule de feu dans la tête. Et non, mais ça, il fait un tourbillon. Eh, mes chimères, elles sont où là? J'en aurais bien besoin si ça bougeait pas. Ouais, il est encore debout, le Cloud. Pour combien de temps, je sais pas, mais il est encore debout. Il est super chiant à sauter partout. J'en ai marre. J'en ai marre de le voir sauter partout comme ça. C'est le dead. J'espérais être meilleur que ça. Ah bah ouais, mais voilà. Ok. Ok. Ça va, toi, tais-toi. Mais non, mais en plus, je recommence, j'ai pas de vie. J'ai pas de vie déjà, ça commence bien. D'accord, Cloud est déjà à moitié mort. Non, mais y a pas de problème. Ça se présente mal. Ça, c'est inesquivable. Toujours plus, hein, copain. Ouais, t'aimes bien le froid ou comment ça se passe? Calme-toi. Non, vraiment, je rigole pas, hein, calme-toi. Il va me le tuer. Il va totalement me le tuer. En vrai, je crois que j'aurais dû prendre Barrette, hein. Il reste pas en place. Je peux jamais le taper. Voilà, et c'est le moment où il vient, c'est pour me taper. Et il s'en va. Je le supporte pas, ce machin. Il faut l'empêcher d'attaquer. En vrai, je crois qu'il faut vraiment que je revoie ma team. Je pense que ça va clairement pas le faire comme ça. Ça va clairement pas le faire, je crois. Ça complique les choses. Ça complique toujours les choses. Les choses sont effectivement très compliquées. Mais il lui redonne rien. Si mon soin est plus puissant, ça me rend rien comme vie. Est-ce que si je fais recommencer juste avant le combat, recommencer avant le combat, avant, juste avant le combat, histoire que je change de team, c'est possible? Oui.
Merci. On va changer toi et toi. Et je pense que ça devrait grandement aider. Ouais, c'est bon. Eh bien, c'est encore pire que ce que je crois. Ah mais non, faut que je recommence tout ça. Ah, vous êtes trop lourd. Aussi que je les recommence eux du coup. Ouais, t'es en feu, brûle et décède. Ah, oh, mais tais-toi, t'es chiante. Hein. Alors juste avant qu'on y aille, objet. On se remet bien. Totalement full vie. Ok. On est reparti. Bah, moi non plus, j'ai pas toute la journée quand même. J'aimerais bien qu'on en finisse rapidement de tes histoires là. C'était quoi ce saut, Cloud ? Faudra que tu m'expliques, là. C'est pas grave. Non, mais j'ai enchaînement enflammé, c'est mieux. Voilà, crame-le. Miaou ! Brûle ! Cookies! Oh merci, de m'encourager avec des cookies! Retour à la vie. Ouais, ça c'est celui qui arrête pas de ressusciter. On le connaît maintenant, hein? C'est bon? On sait qu'il aime bien ressusciter 3-4 fois. C'est bon. Non, tais-toi, toi. C'est toi la nuisible. Chut! Ok, on est reparti de toi. Et en fait, on va prendre un petit peu Mr. Barrett. Parce que Mr. Barrett, déjà, il va se mettre une cuirasse sur lui-même. Il a du soin, il a du sommeil. Il était pas sensible au sommeil. Peut-être essayer de l'endormir. Ça se tente, hein. Voilà, il fait doudou. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est de la bonne strat, ça. Ça, c'est ce qu'on aime. Il a dit qu'il était sensible à la glace. Ça va, Sioto? Non, pas un cuirasse, un deuxième sommeil. Un deuxième sommeil, tu le prends? Il le prend. C'est vachement mieux comme ça. Vas-y, Cloud, c'est le moment. Monte ta barre d'ATM, s'il te plaît. Et tu vas me faire une fin infinie. Vas-y. Pendant qu'il ne bouge pas. Vas-y, envoie tout d'un coup, Barrett. Barrett, il commence doucement à prendre cher quand même, hein, faut pas abuser. On va essayer de lui faire aussi un petit peu de poison, ça lui fera pas de mal. Laisse-moi faire.
Ah, laisse-moi faire, Cloud, hein. Laisse-moi faire, qu'il y est. Cloud, j'ai besoin de tes soins, s'il te plaît, merci. Sur Barrett. Barrett. Tabasse. Tape avec tout ce que t'as, s'il te plaît. Ça va, Barrett, il encaisse. Par contre, on va peut-être lui faire quand même une cuirasse. Bien que c'est plus des dégâts magiques, j'ai l'impression qu'il prend, que vraiment physique. Voilà, on a compris, tu fais des trucs à la tête chercheuse, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Red, j'ai besoin de soins. Tu vas m'envoyer une méga potion sur Barrett. J'espère que ça te plaît. Et vraiment, je trouve que c'est un peu... un petit peu relou, copain. Hein. Un petit peu beaucoup relou. Hein. Là, c'est bien. À la Barrette, il est content, là, c'est bien. Ouais, c'est ça qu'on aime. Là, ça vient beaucoup plus vite, le choc. Ouais, tu lui fais une petite démonstration de puissance et il n'y a pas que toi d'ailleurs qui va lui faire une petite démonstration de puissance parce que c'est maintenant qu'il faut absolument tout envoyer pendant qu'il est en état de choc. L'état de choc est déjà terminé. Mais tu vas me retenter un petit sommeil dans sa tête. Il a résisté. Forcément, je pense que plus j'utiliserai le sommeil, moins il sera sensible. C'est moi ce qui me paraît être le plus logique. Pourquoi tu peux faire la ferveur luminaire? Parce qu'il faut qu'il soit en mode vengeance pour faire ça. Ok. Pour le moment ça va, ça se passe. En vrai ça se passe clairement mieux. Méga potion, Barrett, merci. Voilà, en plus il prend un petit peu de dégâts dans sa tête, le Barrett, parce que sinon c'est pas drôle. C'est bon, ouais, c'est fini. Faut te calmer à un moment. Je me suis un petit peu trompée, j'ai pas fait vraiment ce que je voulais. Bah là, tu vas catapulter Red sur le méchant, voilà, hop. Comme ça, c'est parfait. Ok, ça se passe plutôt pas mal là, non? On a à nouveau la scène où Cloud a des problèmes, mais c'est bon. Il a les copains, tout va bien. Il en a vu d'autres. Il suffit de trouver la faille. Il suffit de trouver la faille. Merci, Cloud. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Vraiment, qu'est-ce que je ferais sans toi, vraiment? Heureusement que t'es là pour me donner de si bons conseils. Au. Skip. Faut soigner Barrett, Cloud. Miaou. Ça n'arrivera plus. Tu crois que ça ira? Ouais, il va bien, il va bien. Je peux pas en dire autant de toi, Barrett.
Je ne peux pas en dire autant. Petit remontant. Volonté de perte, ça fait quoi déjà? Réduit temporairement les dégâts subis. Ça, c'est pas mal la volonté de faire. En fait. Mais Barrette, c'est vraiment un tank. Hein. C'est vraiment, il est là. Clairement là pour prendre les dégâts. Hein. Sors, c'est pas grave. Tu vas me refaire une cuirasse sur toi-même. Et je vois que Red, il a de quoi utiliser. Alors, tu vas m'utiliser une méga potion sur Barrette, s'il te plaît. Faut l'empêcher d'attaquer. Et bah utilise ta transcendance et utilise-la convenablement. Barrette, il a pratiquement plus de vie. On va utiliser la une maxi potion hein, sur Barrette. Je détourne son attention. Le mode vengeance du petit Red. Dis-moi, tu fais plutôt mal, toi, non? Petite transcendance, non? De Red? Allons-y! Avec un petit état de choc, il me faudrait les deux barres de Red, histoire que je fasse donc sa compétence. Qui peut faire uniquement en étant voilà, machin, faveur. Je suppose que tout le monde m'a compris. Si vous m'avez pas compris, eh ben c'est dommage. Allez, compétences synchronisées, on envoie tout ce qu'on a. Barrette. Et Cloud. Je fais quelque chose. Ifrit, mauvais plan. Il m'aurait fallu Shiva, mais j'ai pas Shiva. Parce qu'il me semble que Ifrit, c'est plutôt un mauvais plan. Barrette, toi t'as qui? Non, ça c'est Red. J'ai demandé Barrette. Barrette, il a pas de chimère. J'ai une blague. Cloud, faut que tu fasses un effort, faut que tu montes. Faut que tu montes ta barre. Faut plus invoquer. Merci bien. Jacoba! Le pouvoir des chocobos! Compétences synchronisées. Voilà, on envoie vraiment tout ce qu'on a là. Hein. Moi je peux pas faire plus. Hein. Là on arrive à un stade où on a vraiment envoyé tout ce qu'on avait. Compétences. Non, pas synchronisées, juste compétences normales. S'il se barre pas. Parce que cette attaque est très longue. À lancer. Qu'est-ce qu'il me fait? Je le sens moyennement. Je sais pas pourquoi, je le sens pas cette histoire. Plus de. Plus de mana.
Ah non mais arrête, il a plus de vie. Mais il y a tout le monde qui a plus de vie en fait. On est tous en train de... On est tous à un PV. C'est normal ça qu'on est tous à genre un PV? Je veux bien que tu t'en charges, mais là ça me paraît compliqué. Pourquoi on est tous à 1 PV? Ah, et Chocobo il s'en va. Oh, ça l'a tué! Ah, c'est beau, Chocobo l'a tué! Le pouvoir des Chocobos! La puissance des Chocobos! Chocobo. Ah, on va perdre Cloud. Je vais t'aider. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. C'était quoi? Des reliquats? Qu'est-ce qu'ils font là? Faut qu'on y aille. Préparez-vous vite. Retrouvez-moi à l'étable. Et on switch de groupe. Et c'est Tifa la chef. Merci pour les bits, Xena. Un robot géant sûrement piloté par une collégienne en couette bleue. Ah, là j'ai pas la ref. J'ai pas la ref de la collégienne en couette bleue. Écoutez-moi. Changement de groupe. On arrive avec les filles. Ah, prenez ces chocobos. Chocobo. Vous voyez que les chocobos c'est la vie. Girls power. Comme le réacteur est complètement en ruine, ça devrait vous servir. Merci pour les chocobos. Et surtout, soyez prudente. J'ai comme un mauvais pressentiment. Il va arriver quelque chose. On va tous mourir. Mon intuition me trompe rarement. Ok. Non mais... T'inquiète pas, ça ira. Je te le promets. Et c'est parti à dos de chocobo avec les filles. Alors, les chocobos forestiers. Attendez, si ça se trouve, ça veut dire qu'on pouvait pas trouver les chocobos et que c'est elles qui nous les donnent. Ont pour particularité de pouvoir rebondir sur les champignons géants afin d'effectuer de grands sauts et de faire de rapides glissades le long des branches de certains gros arbres. Mais ils sont trop bien, les champignons tremplins. Ouais, on les a vus, les champignons tremplins. Ok. C'est parti. Tom, tom. Comment on les prend du coup les champignons tremplins? Ah ouais, ça va, ouais. Ah ouais. Ah ça saute bien. Ah c'est efficace. Ah ça c'est rapide. Trop bien le chocobo. Non, tu passes. Ah, par contre, là, ils descendent pas. Attendez, il doit y avoir un autre chemin. On doit se dépêcher de rejoindre Cloud. Bah ouais, on va se dépêcher de rejoindre Cloud. C'est ce qu'on fait, on fait. Écoute, je saute autant que je peux avec
Avec mes chocobos. Je ne sais pas où je vais. C'est un peu problématique, non? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais ils sont trop bien, ces chocobos. Écoutez, tous ces amis de Mecha, il y a toujours des collégiennes qui pilotent des Mecha, car vive les enfants soldats. Je crois qu'on va pouvoir... C'est comment qu'on descend déjà? Non, je veux descendre du chocobo. En quoi qu'il peut aller taper le chocobo? Allez, tapez avec le chocobo, voilà. Bim. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, Tifa, montre-nous ce dont tu es capable, ma grande. Combo surpuissant, le combo surpuissant, c'est... très bien. Voilà, ça c'est du combo surpuissant. Eux c'est juste... voilà, c'est juste garde de base. Je vais pas les vexer, mais ils sont clairement pas un problème, les pauvres petits. Voilà, Tifa, elle vous les maîtrise, les machins. Elle retombe même pas au sol. Bim. Voilà. J'ai un choc et tout. Ah, Tifa, Tifa, Tifa. La maîtresse des arts martiaux. On a la maîtresse ninja, la maîtresse des arts martiaux. Et notre maîtresse de heal. Ça, c'est... Vas-y, on invoque en plus. Léviathan, voilà, on est comme ça. Encore sur toi. On en est là. On galère sur un boss. Et eux, ils se font juste massacrer les pauvres petits. Tu dis ça à Léviathan, qu'est-ce qu'il attend? Attends, il va s'occuper de toi, Léviathan, t'inquiète. Mais elles assurent les filles. Comment on fait pour entrer? Avec les grappins. Avec les grappins. Alors, utilisez votre pistolet grappin pour vous déplacer dans le réacteur. Lorsque vous arrivez à proximité d'un endroit où vous pouvez vous accrocher avec le grappin, un icône apparaît. Ok, encore. Globalement, je pense qu'on a compris, non? Hop. On se grappine, on monte, et comme ça on prend pas du tout le même chemin qu'avec les garçons. Pourquoi pas? Et grappin! Et coffre! Mais ça va, Iris, elle s'en sort avec le grappin, hein?